Red, tu veux venir? Y a un souci? Affi? Reste là. J'ai l'air d'aller coiffer. Waouh! Parle pas comme ça, t'es mort. C'est toi qui es malade. Je vais sortir mon Respect! écho. Yop. Bon. Capitaine? Oh, cause. Ah! Oh, j'ai pas de téléphone. Mais respect, mon capitaine. La fourmilière. Et la Gaza, faudrait qu'il se nomme pour nous dire. Information, c'est pas une alliance en fait. Ils ont. Si, c'est une alliance, hein. Il y a écrit alliance. Hein. Moi, je lis alliance. Hein. Ah, moi, ah, je ouais lis alliance aussi. Hein. Parce qu'il y a aussi, on va dire, leur comportement sur l'île aussi qui a été revu en. GFSP, sinon, c'est que du CP à Hydral. Hein. Bah, il. Si, c'est une alliance. Test. Quand alliance, on vous l'a dit. Ouais. Ouais. Ah d'accord, t'as, y'en a qui ont de la chance. Bon, je reviens sur ça. Il y a eu un râle. Appel pour le FSP sur Londres. Paperville! Drake? Drake? Paperville! Fous tes mains sur la tête et rends-toi! Paperville! Je vais revenir s'il te plaît. Vous pouvez venir, capitaine, s'il vous plaît. Ça va String ou quoi? Ah bah, faut aller écrire la banque. Quoi? T'as entendu quoi? Ah merde. Ah, j'ai un problème, Cédric. Tu sais que Copain j'ai été. On m'a entre guillemets dit qu'il fallait que je parte du CPR. Mais c'est trop bien vu! À cause justement de mes horaires et du fait que je sois en internat. Et ils m'ont dit que voilà, même si je faisais 20 heures en un week-end, c'était compliqué de me garder à cause de la régularité. Bon, pourquoi pas, mais moi je voudrais savoir si dans... il serait possible pour moi d'aller dans Sierra et d'avoir un peu d'indulgence dans les horaires, parce que je sais que 20 heures en un week-end, c'est compliqué. Mais je peux arriver à 18. Je peux avoir 18, 19, quoi. Et c'est toi le lead, il m'a dit d'aller voir le lead. Voilà, moi c'est en tout cas voilà parce que le gameplay style tu sais que ça me plaît et voilà c'était pour te demander ça. Ah merci. Ah mais t'as, attends, t'as pas été up toi. Ah non c'est pas le bon. Ah mais t'as pas été up. Attends, retourne dans le. Ah grand fou. Ouais, attends, je bouge mon véhicule. Prends une Spar 16. Ah, mais attends. Non, attends, je devrais vérifier si ça n'a pas bugué. CPA? C'est peut-être la licence. Attends, je vais regarder. Non, c'est pas vous le lead, c'est vrai, vous êtes plus. Ouais, attends, je vais. Le lead, il est pas là le lead. De la Casa. Si, là-bas. Et peut-être que. De la Casa. Ouais, remets-toi dans le lobby et attends. Lead CPA! Il est là à droite. Là-haut, d'ailleurs. Les hydras, vous vous placez tous au mur, s'il vous plaît. Ah Yuri, ah, t'es à la bourre, hein, je te dis, Joe il l'a pris, Emran il l'a pris, prenez l'appel de FSP pour la banque, allez voir si, parce que si jamais ils accostent sur la banque, faut limite faire la somme avant qu'ils lancent la banque. Hein, ah tout de suite, on est un peu de partout, mais c'est qu'aujourd'hui, ouais, hein, ça marche. Non mais ça c'est la priorité, c'est la banque. Il c'est juste. Voilà, c'est après. Comment il s'appelle? J'ai juste envie qu'il y ait une négociation mec pour que tu aies la compte. Ah, c'est non, mais chercher dans il a, Ebran il a, Joe il a, on l'a tous, hein, on l'a tous pris. Hein. De... Ah, mais c'est une tuerie. C'est énorme. Ça reste fait mon. Oh merde. Ah. Procureur, c'est général. Job pour tous les CPA au mur là. Non, mais c'est en bagnole quand tu prends une bagnole. Quand... Vous êtes plus CPA vous? Mais non. Je veux le plus de vous. Hello. Et ouais. Quelqu'un avec une longue peut répondre. Mounier. J'écoute. Il y a aucun responsable hydral là du coup. On peut chanter maintenant. Comment ça va? Putain. Très bien pris. C'est excellent. Didier.
prendrais pas position sur la presqu'île avant qu'ils arrivent. Hein? Enfin, je sais pas justement parce qu'ils sont en train de se diriger vers la banque apparemment. On va se préparer. Pour des bateaux pour les intercepter. Du coup, je prends le plus de chargeurs. Shaman pour Ditton. Attends, ouais. T'es ready? Général? Ah ouais, attends, j'arrive. Moi, je crois que. Prends des balles de spar encore sur toi. C'est bon, si je prends mon stray, ça vous dérange pas. Hein. Quoi? Ça vous dérange pas que je prenne mon stray? Quoi? Ça s'appelle un phénix. Un phénix, ça s'appelle. On s'adapte. J'ai dit, ça y est, c'est fini. Bah ouais, c'est l'évolution, Shadi, l'évolution. Hein, on n'est pas à Jarba, Shadi, là, hein, ok. Bah non. Hydra, remonté au contre le mur. Excusez-moi d'adapter, bon bah voilà. Hydra, d'accord. C'est pas bohémien, c'est Helicom. Bah prépare-toi, Spring, parce qu'on a eu des infos qui partaient vers Dreamea, tu vois ce que je veux dire. On the wall. Oh, en vrai, je vais le sortir à zéro. Ils veulent nous piquer le pognon. Bon, alors du coup, est-ce qu'on sort? Tous les hydromures. Cervantes, est-ce que t'as cru que t'étais tout seul ici? Je prendrais bien un lynx, moi, pour péter les blindés. Voilà. Brigadier, tous les hydromures, dépêchez-vous, brigadier, maniez-vous le cul. Il y a encore des hydras là, non, il n'y a plus d'hydras là, vous êtes tous là les hydras. Le truc, c'est que je peux pas. Ah ouais, on a pas de danse. Tiens Spring, regarde ça. Le salaire pour l'instant, pas le ranger, on n'est pas assez là. Voilà. Bah c'est un proleur. Non mais le truc c'est de... C'est un proleur police. La banque en fait. Donc si, il va falloir des... Ouais. Est-ce que j'ai l'autorisation de sortir un lynx? Tu veux mon gars? Pas moi qui t'aime. T'as la licence? Ouais. Bah, alors, c'est en test à Diablo qui est là. Ok. Ah oui. On va falloir qu'on prenne des velles. Nous, on est en 3-6, il va y avoir un trinôme. Pour tous les CPA, vous dépêchez et on fonce directement sur la banque. Garage. Eh, faut aller dépêche-toi, t'attends.
mettez-vous dans les véhicules là, qu'on y voit un peu plus clair là, les binômes. Mais on va falloir qu'on aille en hélicoptère hein, sur la banque. Follet. J'arrive, je prends juste les chargeurs en plus. T'as 20 secondes, dépêche-toi. Je prends pas de barrette. Allez, c'est bon, on s'en fout de l'argent que j'ai sur moi. Parti. Tu où? Je suis avec qui? Voilà. On est prêt là. C'est bien tout. Putain de radio de. Est-ce que les MKD sont déjà sur la côte de la banque à vous? Finalement, je prends une batteuse. Parfait. Attends, il y a encore Jeff là-haut. Hydra, tu fais là pour le moment. Laisse là-dedans s'il y a de la place. Appelez. Général, attendez. Ok. Du coup. J'ai pas pris de thé du coup. Hein. Attends, je regarde un peu où on est. À moins que vous voulez que j'en prenne un, mais bon. Attends, on en est où des infos De Syrah, info sur la banque. Il y a un MK10 qui arrive sur. Et là, pour Syrah, donc a priori, c'est pas, ils ont zéro visuel sur des MK10 débarqués sur la côte de la banque, donc c'est en attente pour le moment. C'est vrai. On va laisser. Ils ont regardé vers Neo-Shori parce qu'apparemment, ils dirigent déjà Neo-Shori. Hein. Ah si. D'accord. Oui. Hydralite pour Syrah, donc apparemment pas de banque en préparation, hein. Non mais c'est une connerie. C'est reçu. C'est ça, j'y crois pas ça. Hein. Bon bah du coup on déménage notre matin. C'est des conneries ça, je suis sûr qu'il y a une banque. Bon, moi je vais garder ça. On bouge. Je récupère mon matos là. Non, c'est pas. Un coup non. Un coup ils voient des MK10, un coup ils voient pas des MK10. Donc.
On va ranger ça, évidemment ça va ranger ma bagnole déjà. Ah merde. Allez, on y go. Aider. On y voit quand même que dalle là-dedans. Aider. Il est pas là, Dédé. Hydride, pour l'instant, on a des fax à Negadès. On va prendre contact avec eux, on vous retient informé si jamais ça dégénère. Terminé. Elle est comment là? Ouais, vas-y, bon temps. Désolé, j'avais oublié de cacher la radio. Ok. Attends, tu sais que ma pote, c'est ça le plus drôle. Hein. Ma pote, j'ai regardé tout à l'heure. Et je, elle me dit, ouais, vas-y, garde-toi à côté de ma voiture. J'ai fait quoi, mon pote? Comme avant, il faudrait que je suis, je me suis garé vraiment à côté de sa voiture, mais à 1 cm de son pare-choc. Je lui dis, je gagne quoi? Je laisse partir. Elle me dit, quoi, des lasagnes? Mais je m'en fous de tes lasagnes. Pour toi, tes lasagnes, tu veux autre chose? C'est rad, il en a 3. Eh, c'est même pas joué autre chose sur des lasagnes, c'est pas drôle. C'est Razidra 3. Oh oui, ça pour le coup, oui, la dernière fois, elle me les a laissés. J'en ai mangé pendant 3 jours. Bah écoute, ouais, on aurait besoin de vous sur Negadès, je dirais, en environ 6-7 packs ouais, autour de nous. On est sur la, dans la même journée, hein, mais bon. Mais ça fait une semaine que ce spaghetti est ouvert, j'arrive pas à le finir. Sierra Hydra 3, je pourrais avoir une confirmation. Même problème de son. Merde, je crois que j'ai mis trop fort mes raviolis. Et merde. Pepperoni pizza, putain. Verify.
Alors ça, à ce niveau-là, tu peux attendre jusqu'à demain. Hein. Enfin, ça dépend qui, du moins. Une petite histoire. Alors, une petite histoire. Ok, Google. Raconte-moi une histoire. Lors d'une petite patinoire qui pouvait capturer des images. Au 10e siècle, un savant arabe nommé Alhazen invente un mystérieux dispositif appelé chambre noire. Ah, il va droit pour tous, on aura besoin de monde sur Megadeth. On commence à avoir de plus en plus de packs sur notre position, ça devient chaud. Urgent, merci. Waouh! La merde. Ok Google, raconte-moi une blague. Alors Mounier? Bah Mounier, qu'est-ce que tu me fais là-haut? Ok Google, il a bugué. Ok Google, raconte une blague. La merde! Ah, ça pue la merde! C'est quoi ça? Devient compliqué, on aura besoin de monde rapidement. C'est bien prêt. Ouais, j'ai encore 5 packs autour du garage là. Ça rentre, tiens, je peux aller. Que c'est pour lui. Il y a la sécurité civile qui l'attend là-bas, apparemment elle l'a appelé. C'est bon, monsieur Thierry. Il est là, en face de nous. Info sur l'hélico qui survole le nez. Sérieux. C'est reçu, Thierry. Côte Nord, c'est ça ? Non, pas Côte Nord, pas Côte Nord. Peut-être que là, on va comprendre. C'est bien. C'est reçu. Qui traîne aux alentours de la ville et dans la ville, attention. Principalement beige, j'ai vu des gens en blanc et des chemises rouges également. Reçu, vous avez mis des points, est-ce qu'il y en a encore que vous avez pas mis? Neg, ils sont en mouvement, donc je vais enlever mes points que j'ai mis. Ouais, je suis en train de aussi. Le dragon 3, on va essayer d'empêcher le dragon de décoller. J'avais pas entendu qu'il négociait.
Bali, Nida 3. Si vous pouvez faire des checks thermiques dans la ville, il doit avoir caché pas mal de personnes dedans. Ah, c'est en cours. Distance 200 mètres. Si vous avez des questions. Et franchement, je vous conseille d'aller sur une autre colline parce que nous on va gérer un peu ces alentours là avec le Drac 3, vu que c'est pas très loin. Donc si vous êtes chaud, vous pouvez mettre une théorie, je pense que ça pourrait être possible. Sur carte point PXQ, un homme armé. Bien pris. Il est pas dans la maison, il est entre les deux, il fait des alertes. Pour information, Dragon 3, on a un véhicule sur l'armée civile. Bien pris, Dragon 3, on y va. Un pack sans contrebas, on va mettre un point. Maison deux étages ouverte, attends. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà mon point dessus? Si, mais il est rentré dans la maison, je veux dire. Vous êtes en queue de noir, confirmé? Négatif. En négociation. C'est reçu de FSP, du coup on va se poser, on va investir la ville avec vous. Je sentirai bien sûr. Négo pour l'ensemble, tous les packs que vous voyez autour de la ville, vous pouvez les intercepter, apparemment c'est pas avec les messieurs avec qui je suis. Négo Dida 3, je pense que tous les mecs avec qui vous négociez se sont barrés en hélico dans le C635. Ah si, sûrement, c'est pour ça que je vous dis que si vous voyez d'autres personnes, là, d'autres packs à proximité de la ville, vous allez les intercepter immédiatement. Hein. C'est bien pris, Dida 3, on va commencer à se rapprocher de la ville. Y'a un Mingbird qui se pose. Au niveau du garage, il y a un Mingbird qui est en train de se poser. Restez sur le Mingbird Dragon 3, s'il vous plaît. Bien pris. Civil, le Mingbird. Ouais, c'est là-haut, là, c'est... Négo de Jax. Le... Transmettez. Il est habillé comment, leur négociateur? Alors pour information, les sujets en face de moi, donc pantalon noir et haut manche longue beige avec gilet noir. A priori selon eux, il n'y a plus aucun de leur collègue sur zone. Un masque, pas de masque. Dragon, point FSP. Transmet. J'ai mis un point Pax, derrière vous, il y a une maison avec un Pax dedans. Salut Grégoz, bienvenue à toi, bienvenue à la famille. C'est reçu. Brad, Lucky avec moi. Mec, je prends juste Brad avec moi. Lucky Rouen ensemble avec Papito. J'ai un Pax qui se bat en voiture, ça doit être de la maison. Direction DC. C'est reçu. On va avoir 3. De FSP, on va mettre croix sur maison, on clean la ville entièrement. C'est bien pris.
3 refus d'obtempérer sur le véhicule qui prenait la fuite direction DC, il continue à la DC. Reçu. TPN pour Dragon 3. Transmet. Vous restez sur la ville où vous continuez à faire des checks thermiques de Dragon, on va aider Hydra. Merci. FSP de Sierra. Transmet. C'est clean en face de vous, potentiellement la maison 2 étages face à vous, c'est là où il s'était retranché. Point Pax, à quelle brigade FSP tu parles? C'est reçu. Désolé, j'avais pas vu, ouais. Là, j'ai les 4 là-bas. Confirme masque clown alien, blanc. Alien blanc. Avec un bas blanc. Moi je suis. Dans le monde de l'étoile 3, car c'est lui aussi, gardez-le. Moi je suis. Moi je suis en direction de l'ouest de Bukia. FSP1, vous avez d'autres possibilités point Pax? Le monsieur que je viens de fouiller, général, il n'a rien sur lui. Reçu. Diabolo, le mec, vous me le mettez au chaud dans l'hélico, vous continuez à investir la ville. Pour info, je sens la radio, ça parle pas du tout. C'est reçu. Négo pour l'instant, frère rouge qui sort du coup de Negades, vous laissez passer, hein, c'est clean. C'est reçu. Non, rien d'ici. C'est reçu, Diabolo ou pas? J'ai. De Hydra 2 pour tous, vous avez la visée actuellement sur l'aéroport, hein. Faut faire attention. Vous prenez le bas de la ville, en dessous de la route, on prend le haut, Diabolo. Hydraulique pour l'ensemble, on a récupéré les points de vue des D1, donc vous êtes tout prêts, les gars. Ok. Azimut et la distance. Hydraulique pour Sierra, vous. Ouais. Transmettez. Hydraulique pour Sierra, on a un monsieur qui a nous informé de la position des points du LSD. Il a nous informé également que une équipe appelée la Loose revendique ce territoire et le contrôle. C'est tout près de votre position. C'est bien reçu. Vous avez vu les derniers messages téléphoniques? Affirmatif. Et là, pour l'ensemble, là, vous pouvez tous décrocher, du coup, hein, tout est clean sur la ville. Je vais juste demander à Sierra si vous voulez venir sur ma position, parce que vous avez un indique ici qui est prêt à me donner tous les noms de la Loose, apparemment. Du coup, de FSP confirmé, on lâche la fouille de la ville. Et là, pour FSP, affirmatif, la ville est clean, hein. C'est reçu. Et le mec qu'on a qu'on a chopé dans la petite maison, on en fait quoi? Direct pour FSP, si le monsieur est en infraction, bah vous faites ce qu'il y a à faire. Oui, mais il est pas avec le négo de je sais pas quoi. Négatif, ils ont plus personne à eux ici, hein. C'était un cas. C'est reçu, FSP. FSP, on bouge. Et l'hélico.
témoigner toujours. Vas-y. Bon, monsieur, on va vous laisser avec mon collègue. Il est où? Oui, vous attendez ici, monsieur, vous arrivez. Au revoir, monsieur. Dédé de la pointe. Quand t'as tapé notre hélico, est-ce que tu peux venir taper l'arbre? Du coup, ça nous a pété les hélices, s'il te plaît. Ça nous a collé à l'arbre. Affirmé dessus. La loose. T'aurais des noms par hasard de, du type. Oui, je sais pas moi, tu sais qui utilise des faux papiers. De Syrah, faut aller sur qui là? Déjà, sur nous là, parce que. On va t'excéder, reçu, on arrive sur toi. T'appelles Anas qui leur fournit des faux papiers? Anas? Ouais, Anas. Je vais vérifier le nom. Vous avez un petit papier au pire? Oui, j'ai un petit papier où il y a tous les noms et tout. Je vous le donne, ce papier, monsieur. Donnez ce papier. Voilà, je vous ai donné. Et où il y a des cases vides, c'est où ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas encore mis de personnes. Ah, dis donc, des followers. Non, ils n'ont pas encore mis de personnes. Ah, j'ai des emplacements vides, c'est des postes à pourvoir. Vous avez trouvé ça où? Là. Eh ben, en fait, j'avais rejoint leur famille. Ah. Avant. Ah ouais. Et du coup, eh ben, je l'ai pas récupéré. C'est bon, là, merci. Pas des personnes de parole. Du coup, ils mettaient les gens à l'envers. Du coup, je vais leur mettre à l'envers. J'ai quitté la famille. Et après, je me suis retourné vers vous. Et je veux leur mettre des barons sur des bâtons sur les roues. Du coup, voilà. Ah, moi, je n'ai. Le mieux rôle, c'est aller sur DD. Moi, est-ce que c'est au jeu? Ils savent pas écrire, c'est un truc de fou. Du coup, j'ai pas. Ah, mes copains? Oh non, c'est moi, je les ai abandonnés. C'est des enflures, c'est des personnes. Ahmed Sembala ou Ahmed Mbala? Et pas, il y a marqué Ahmed Sembala sur son papier là. Ça, c'est le métal à jour. Le général, bras droit. C'est celui qu'on sert pour voilà quoi. Faites attention, ils utilisent des faux papiers. Ils peuvent la mettre à l'envers. Ouais, bah ouais, on a pas de. Regarde, si tu regardes bien, on n'a pas de Hames Mbala dans. Enfin, on n'a pas de Hamed Mbala, on a que des Hames. Faites attention. C'est bordel là encore là. Bah oui. Du coup, mettez ça à jour. Ils utilisent des faux papiers. Et moi j'avais accès à leur numéro et tout, au cas où que j'avais un problème, ils m'avaient envoyé ce fichier là. Et du coup je l'ai gardé de côté, au cas où. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Ah non, c'est moi qui l'ai emmené. Ah, c'est moi qui l'ai emmené ici, non. Ah, pas propre, hein, vraiment dégueulasse. Hugo là, je le connais lui, j'ai déjà vu quelque part lui. Général de division, bah ouais, c'est ça. Kiki là. Ah, on l'a déjà. Peut-être qu'il y a des nouveaux, faites attention. John Diliger, je le connais lui aussi là.
jeune délinéeur au Killinger. C'est ça. Le fou Monnier, mais t'es un génie en fait. C'est des génies ces mecs-là, ils ont compris mon système, je vais les manger. Bah ouais, mais les mecs, en fait, ils ont compris, ils ont tout compris, les gars, regarde, je t'explique, ils donnent un faux papier avec une lettre avec une lettre manquante ou modifiée. Ou alors, c'est les collègues, ils savent vraiment pas écrire, mais bordel de merde, ils sont vraiment mauvais, les collègues. Hein. Je pense pas, c'est, ils ont des faux papiers, monsieur, je vous l'assure. Hein. Bah, je sais pas, moi. Je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça, Giovanni Nala. Qu'on en a là-dedans, mais on a pas de Giovanni ici, nous. Bah, qu'est-ce vous pouvez que... l'enregistrer. Hein. Soldat, allez hop. Que lui aussi, Giovanni, il Giovanni. Était. On le connaît, ce Giovanni. Bah oui, on le connaît en plus. Oui, on le connaît, allez hop. Rad. Soldat. On a son 06. Bah oui, on a son 06. Ouais, bah écoute, Monnier, tu nous auras vraiment aidé pour 4 personnes. Bah ouais. À 3 personnes. C'est déjà pas mal tout ça. C'est déjà pas mal, hein. On... Ah, je suis un bon nazi. 3 pecnos là. 3 pecnos qui changent une lettre dans leur carte d'identité et ils croient que c'est des faux papiers. Bah ouais, Monnier, si t'as pas grand chose, t'as plus. J'ai envie de manger un truc. Tu vois, il y a un truc qui me manque sur le croc de la dent là pour bosser. Moi je peux. Tu peux quoi? Qu'est-ce que tu peux me donner en plus? Ah, t'as pas un petit plan là? Un petit plan de coco là? Un petit plan de canin? Je sais pas, un dealer de drogue? Tout ce que tu veux, Fais péter. Cannabis, ça va attendre déjà. Fais péter, chef. Il les bouge, ouais, mais il y a un mec que tu connais, il est fouillé comme ça. J'imagine, là, c'est plus payant, moi, tout ça. Ouais, ensuite. Après, il y a deux dealers. Attends, ouais, il y en a deux. Après, deux, mais ils sont où? Ils vont plus aller sur ce dealer-là parce qu'il est plus accessible. Attends, ok. Ok, mais tu dis, du coup, il est où? Ils sont où, les autres? Et le deuxième, il est sur une île. Bon allez messieurs, soyez un peu galants, Marion elle est triste parce que personne lui parle. Mais toi! Une fois? Ouais, j'ai vu. Il n'y en a que deux, bah putain. Attends, peut-être je me trompe. Ah non, je suis en ouf, il y en a trois. Il y en a trois, je crois, attends, je compte. Regarde bien. Ouais, il y en a trois et le troisième il est là. Ok. Et après, bon après je peux te fournir quoi d'autre? Les faux papiers, ça vous intéresse? Ah ouais, bah ouais. Pour la fabrication d'encodeurs. Hop. Ici.
Ensuite, qu'est-ce que t'as d'autre? Et j'ai de la fabrication de faux papiers. Trouve, Mounier. Ah bah, ouais, faut que je trouve hein, la carte d'aller. Et j'ai un seul. J'ai mis les pointeuses sur ma carte. Ah bah, j'ai trouvé. Déjà, j'ai trouvé la plantation de cannabis. Ah, c'est quoi ça? C'est la plantation de cannabis? Ouais. Cannabis. Ok. Bon. Ah ouais, c'est bon. Le séchage de cannabis ici. Et B. Et chiotte, hein, c'est sûrement là-bas au fond, là. Au fond à gauche, comme dans tous les restos. Ok, et ensuite, du coup, t'as pas. Tu m'as pas fini le petit truc de pour papier là. Ah putain, c'est à côté, oui. Bon, c'est bon, hein. Ah, merci, monsieur. Ah oui, 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 vous inquiétez pas. Oh, vous inquiétez pas, moi je suis pacifiste. Hein. Tu veux que je te mette un petit nom dans la liste des indics de la police ou est-ce que tu gardes ton anonymat complet? Ok, ok, tant pis, tant pis. C'est possible que vous me lâchiez? Y'a le garage à côté, Mouni. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, moi il est sérieux.
engager le tir sur FSP. Ouais. Oula, 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 oula. Oula, Mounier. Allez, en voiture. Hold up. Hey, oh, my nigga, we be thinking we saw. We don't play. We gon' ride until the wheels fall off. Hold up. Hello? Salut Marion, bienvenue à toi. Bienvenue dans la famille, hop hop hop. Ah non. Sur Diamond Company, hein. T'avais beaucoup de civils d'aller en ciel. Deux, le. Faire gaffe. Là, pour ça, c'est bien pris pour attendre que les collègues au nord de l'île soient dispo, là. Deux FSP, on est dispo. Ils ont l'air de redescendre sur DC. Diablo, pour ça, Cervantes, pose-toi, je vais arriver te chercher. 3Z4. Armé au-dessus de Dagios Constantinos. Possible VZ. Yannidius EP11. Ah, Constantinos, c'est on est où? C'est Pascal Alcator un peu. On est loin, bah faut retourner vers l'SD et nettoyeur de sable.
info, VBZ en Ifrit. Ok, confirmez les points Fatima Pardel, etc. C'est les Ifrit. Ah, Fatima Pardel en Ifrit. Ok, reçu. Et sur votre droite, normalement, vous avez les autres. Là, il y a Sylvester. Ah, Vi, et on a un El Cato qui aussi de FSP. Sartec. Non mais je te jure, un mec, tu te mets sur le canal du CPA, c'est hilarant. Ils disent que de la merde. Du coup, de FSP, je rectifie, nous avons actuellement 3 L4, non, 3 L4 derrière nous. Bah, c'est tout ce canal là. J'ai de l'argent à te donner, tu vois. Ah, c'est bon, elle a décroché, tu peux y aller. Ah. Ah oui, FCPA, FSP, les deux sont dans le ciel.
pas, y'a que CPA. Ça, ça me suit. Ah, Yuga. Alors, reconnaître à 2,5 km le Nouache. Le Nouache. Ils sont tous barrés. Hydra, ouais, pensant, on a un trésor qui va être sorti à la barre pour venir en soutien sur Zona. Ils sont morts. Hydra, ils sont des P11. Deuxième Syrah. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi je ne t'entends pas? Pour information, les packs sont repartis à Varagios. Mais attention à toi, t'as un L4 de suite. De Dragon 2 pour tous, actuellement sur ma position, j'ai 6 Ifrites. Bon, c'est fini. 6 Ifrites, t'as le 4. FSP, on est opérationnel dans 2 minutes. Il arrive pour Hydra 3 à vous, répond.
proximité de la zone hostile. Hein. Ah si, on est déjà en train d'essayer de contourner les VV qui étaient sur le route principal. Il y a avoir quelque chose ici parce que là on dragon, dit que tous les dragons, pour information, il y a un hélico à 1500 mètres d'altitude. Reçu. Et il y en a un autre encore plus. Non, c'est pas le renom, j'y veux. Je sais pas. On a un L4 qui fait le plein sur notre position. Monsieur, il est valide, hein. Vous ignorez, vous venez vers nous là pour le moment. C'est bien pris. Information actuellement, ça quitte toute la zone, ça repart vers l'est, vers Neo-Shori. Il y a ton hélico sur zone là. Là il pense en vidra, on va essayer de les suivre de loin là. Hydra 2, Hydra 3. On a un Strider, donc si vous pouvez ralentir un peu. Ah si, vous inquiétez pas, je suis au courant. What? Là, pour l'instant, faites gaffe, hélicoptère, mais la route. Hold up. Bienvenue Masta, bienvenue à toi, bienvenue à la famille. Transmettez. Possibilité que vous allez sur le point entrepôt et que vous vérifiez les propriétaires de ce truc-là, s'il vous plaît. Salut Masta, comment tu vas? T'as dit? T'as dit quoi? T'as dit salut qui? Perturbant.
ça va tranquille. Docteur 3, ce n'est absolument pas un entrepôt, c'est une maison cassée. J'ai reçu rien du tout qui prouverait le fait que la Vorbée aurait stagné ici pendant 10 minutes. Un grand parking. Des murs cassés. J'ai reçu. Je m'attendais à plus, mais je me suis quand même déçu. Déçu de la Vorbée qui va à un endroit, mais rien du tout, quoi, c'est con. Tu cherches, Mounier ? Les camions, Andy. Il reste pour l'ensemble du drag, donc on va passer par Zaros, on va longer toute la côte pour remonter vers la BA. Merci, les gars. Sur le rocher, bien évidemment, on se bouffe pas le rocher, mais la montagne. Et en plus de ça, c'est un retournement sur les roues. FSP, on est opérationnel. Marcas. Dédé, rien ne va plus. Un beau petit bordel quand même, hein, ce truc là. Alors ? Ah non ? Ah non ? Ah non, je te jure que non. Tu vois ? Ah, j'ai pensé que... Je pensais que t'avais dit... La... Là, c'est pas ça, c'est pas tel, c'est pas là. Comme ça, j'ai pas compris qu'il y avait... Je me suis dit que ça... Quel message, CR ? Il arrive pour ses pères le message pour le convoi. Chemin, donc c'est bon, ils ont compris qu'il fallait partir. Je disais, général, si deux équipes sont dans la mienne, est-ce qu'ils peuvent sortir le nombre de striders dans une équipe équivalent aux deux personnes qu'ils ont dans les deux équipes? Bah, si, hein. Là, c'est bien prêt. Salut. Allez, go. Hop. Hop là. On va où ? Plein des autres.
quelque chose ce véhicule. Non, ça me dit rien. Allez go Mounier. Pas du tout, en fait, je pensais qu'il y avait une plus petite colline que ça, moi. Est-ce que j'ai bien fait de pas décoller? Drive, drive, 3. Parfait. On est à moitié d'essence avec le slider, donc avant qu'on passe en contact avec... Ils sont... Descendre, les deux. Moi, je pense qu'ils sont moins au moins entre 35 et 40. Aider. Ouais. Mais de manière vraiment pour. Hein. Alors on est arrivé sur le rocher, la voiture a fait un saut sur elle-même. Bah regarde Mounier comment on est cassé. Est-ce que tu comprends le problème? Il y a le son, il va te monter à la tête, on descend. Faut descendre. Là, je pourrais pas la pousser tout seul. Hein. Et hop là, Mounier. Hop là. Il rentrera, vous êtes bon avant. Attends, je viens de remarquer, on a les vitins. Pourquoi les vitins? C'est parce que je me disais. À l'entrepôt. Ça monte dans le bâtiment blanc. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi, Joker. La voiture elle est trop bruyante. Déjà, elle est entendue à 10 km. Et en plus de ça, elle est trop puissante dans les virages sur les petits chemins. C'est casse-couille, ça tient pas la route. Moi, je préfère que ce soit le autre qui casse que moi. Ok, si vous voulez. Shaman, pour CP, à l'île passée du Delta. Désolé pour les boots, hein. j'ai complètement zappé de régler les militaires, donc ça foutait pas mal le chat, hein. Je les réglais. Donc je les ai augmentés pour qu'il y ait moins de flou sur le bout des bottes. Désolé. C'est une voiture Audi, hein, c'est une allemande, hein. Il n'y a pas de frein sur ces bagnoles, il y a un accélérateur. Femme.
Casse-toi le soleil, tu me débrouilles. Il est trop rayonnant pour toi le soleil. Quoi? Mais c'est improbable! C'est improbable! Mais c'est improbable, on a cassé, je sais même pas sur quoi on a cassé. Mais sur quoi? On a plus d'unité là, ils sont où les unités là? Ah, ils sont là-bas, ok. On va aller faire un tour du côté faux papier. Au papier! Oh, des chips! Écoute ce bruit de chips! Ce fameux bruit de chips au barbecue! Allez, go, Mignon! Oh! T'inquiète! Qu'est-ce que ça me fout qu'on bouge là? Attention! C'est vrai que les voitures sont super modées, c'est dommage parce qu'elles sont belles, elles sont magnifiques. Mais bon, on va avec et c'est pas plus mal. Faut qu'ils aient des yeux et qu'ils se rejouent. Ah mais est-ce que t'arrives à lire ce qui est marqué en dessous, en jaune? Bon, j'arrive, poser. C'est ça, Mounier. Allez, go, Mounier, go. En voiture. Ouais, bah, je vais voir ça quand je vais aller sur la LC du serveur pour un peu près. Je vais le signaler. Merci Poker. J'ai embarqué. Les civils aussi. Yes, it's something.
TD2. On est là, on est là, on est avec. On est juste derrière toi. Qu'est-ce qui se passe sur la carte? Tireur à son côté droit. Ah, pas grand chose. Bon, tiens. Dire, on... Mais je sais pas, ils sont 4 unités, ils sont 3 ou 4 unités sur 2 mètres carrés au vendeur de camions d'attirant là. De Neo-Chori. Et c'est tout. Y'a rien d'autre. Le CPA, il vole dans le ciel. Les oiseaux. Ouais, c'est... Et puis, bah, Syra, bah, on est là, hein. On est représente, hein. Pas grand. Il doit être pour l'instant en zone position, donc, camion rempli de stupéfiants, donc on va récupérer en rentrant de la BM. C'est le point. Transmet. Sécurité civile sur ordre de réanimer monsieur. Reçu. Individu réanimé. Putain de buisson, ils nous ralentissent. J'ai vu que... Lec, ça doit être les JV. Ouais, les JV. Casse-toi les JV. Le raptor, on le laisse. On t'avait qui, moi, du coup? Buisson dans notre zone. Je te récupère. Rien du tout. Ouais, tu vois, moi j'arrive pas à déterminer s'il y a un problème de communication dans la police, ce qui fait que les gens transmettent pas l'information des choses, ou alors qu'il y a vraiment rien. Deux Hydra 3, on a maintenant deux L4 qui nous survolent, le premier qui croise, c'est le danger droit. Mais moi je te préviens avant de casser. mais ça c'est parce que je suis endormi. Ça. Je suis endormi, oui. Faut que je me réveille.
Ah, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faudra mettre devant le track, mais putain, si je le ferais, si je pouvais, je le ferais, je crois. Bon, on va se réveiller à autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Punch. Enistol, vitamine B. Eh ben, ça fait la marée, ça. Ouais. Voilà. On va essayer de les choper. Allez. Allez, ah, vite, oui. Voilà. Non, mais c'est crash. Il y a un M4 qui s'est crash. Ah, c'est pas mal. J'en ai un dans le freiner. Pas les roues. Dans le camion. Elle est du coup, l'entend. La mer. Mer ouverte. Oh putain, avec la mer. Parce que en fait, bah, le problème des bracelets, c'est que ils se veulent vraiment les choper dans un cadre spécial. Et là, en fait, là, il y a un Red Bear. Ouais. Alors, maintenant, parce que déjà, moi, je voulais demander, est-ce qu'on avait la tira sur la sécu qui arrive. Et la giflée. La sécu, j'ai la sécu. La putain. Je vais la sécu vite. Il est où là? Du coup, tira info, nombre de Pax, couleur des Pax, tenue. River! Pour l'instant, c'est en hélico. Attention, ça va sur la mer, les hélicos. Eh, Vévor, moi je vois pas de Vévor là, moi les Vévor, je les vois au niveau. Bah d'ailleurs. Reste en conducteur, mets-toi en conducteur, André. Un de police sur moi, un de police sur moi. Il est sorti? Un de police sur toi, un de police sur toi. Pas d'info. Pour l'instant, les draps 3, les seuls qui nous ont tiré dessus, ce sont les 4 L4 qu'il y avait au-dessus de nous. Ça court devant la BA, je cours devant la BA. Ennemi? Je sais pas, j'ai pas vu. Si c'est armé, vous abattez. Hein. Il est où le deuxième? Il est où le mec, ton mec André là? Il est... C'est celui qui avait dans le strider, il est par terre, la sécu sur lui. Quelqu'un me note celui qui est par terre, s'il vous plaît. De Brad, on aurait besoin de renfort au niveau d'L4, on a 4 L4 qui nous poursuit. Il est où par terre? La sécu sur lui. Brad, non, ça c'est le deuxième. Brad, mec, c'est celui qui avait dans le strider. Essaye de les ramener sur radio, hein. On est sur le studio de BA là, les L4. Essayez de. Ouais, on va essayer de faire quelque chose, mais. Pff, pas évident là. Mais 4 L4, qui est-ce que tu veux faire? Test. CPA. Test. CPA en route. Oh les gars, il arrive. Est-ce qu'il faut démonter de la ferraille ici? Ah là, toute la ferraille que tu vois, elle est démontée. Ah, c'est parti. La ferraille, il te. Behind mon cul. Ah, y'a de la ferraille qui vole, les gars, c'est parti. Bon anniversaire Père France, football, film Starbot. Pour l'ensemble qui est radio, vous arrêtez de vous comporter comme des sauvages maintenant. Serre, tu devrais bien voir qui on a dans la BR. Kita. Il me semble que c'est notre cher ami Benoît Cooper. Ah. Gardez-le, ah oui, c'est bien lui. De Jeff qui a précisé que Benoît Cooper il
la personne qui a mis coma James Toronto qui l'a emmené à l'hôpital d'urgence. Il a son main ou c'est vrai? On a Soma là-bas, là, viens on le dégomme là, tu vois ou pas là? C'est bien pris hier. Il peut être dedans, il... Bah, je sais pas, moi je veux voir V sur la zone. À tous, les Ifrits sont sur la piste. Pour info, sécurité civile dans BA, dans la pièce d'interrogatoire de FSP. 529 mètres, tu vois les clés ou pas? Ça c'est, il y a deux packs là-bas, il y a deux packs. Big Game, tu me reçois? Vas-y. Derrière toi, là, derrière toi, il y a un hélicoptère. Côté CSP. Ouais. On bouge, on bouge. Là, je suis dans le bâtiment. Bah, on bouge. J'arrive. J'analyse, j'analyse. Il y a une gueule derrière, c'est pas bon, d'urgence. Attention, vous êtes tous les véhicules terrestres qui arrivent sur vous. Cédric, reviens sur nous, reviens sur nous. De toute façon, au niveau des points PAX, on a toujours les limites. Dis-toi, il y a une fuite collée à la porte principale de la mer. La limite. Tu sais qu'on peut monter dans une tour pour le dégommer sur un. Ah, si, justement, mais justement, c'est l'unité au sol, il a un tour là-haut. Tu vois la tour 925 mètres, azimut 40-50 là? La tour radio. Eh ben, apparemment, il est. Dans la BA, fermez-la, mettez-vous en faible. Chadi en faible. Ouais, bah tu le vois pas. Là. C'est un plan Chadi en dans la VA, tous au bouclier, vous fermez les portes, d'accord, et vous mettez en défensive. Moi je le vois bien. Non, 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 à l'autre radio, azimut 52, passez l'enquête. Y'a du TE, y'a du TE. J'étais pas sur les toits, hein. Passé. Télémètre, Serre pour ceux qui avaient une barrière à l'accueil, il va la retirer, s'il vous plaît. PD de Gallo. Essayez de prendre visu. Répétez. Tour. Ok, reçu. 930 mètres, tu l'as toujours? Par rapport à toi, t'es à 926, toi. Ah, si tu veux que je te donne un meilleur visu. Moins un kilomètre, je peux pas le faire. Ah, tour de contrôle, impact confirmé, DD. Étage juste en dessous de la tour. Deux mecs tour solaire. Répète, on va vous mettre point, attendez. Sur celle que j'ai en tourelle, il y a un rat de montée M320. Deux mecs qui sont en rat de montée. Ah,
il a part Nelkar à monter et un autre. On a un TP qui se place au niveau de la tour solaire, mais il a pas visu sur nous. Je vais bouger un peu la voiture histoire qu'on se mette derrière un peu derrière. Je me décale un peu Gallo pour avoir un bon visu sur les tours. Fais gaffe à toi. J'ai un autre TE sur une tour solaire. On aurait besoin d'une unité supplémentaire au niveau de Maquis. Je pense pas à 5-4. Peut-être décalé un peu plus dans l'ombre, tu serais plus caché. Pas moins de visu sur les gens. Hakim, Shadi, mets-toi en faible. Un autre TE, mais c'est normal. Hein, il est combo ou pas de bah, en fait, fenêtre, fenêtre gauche. Il est levé, il est levé. Dommage, raté. Toujours à 926 mètres. Avis de FSP TE qui lit tour solaire point 1 TE. Tu tires sur lequel Gallo? TE. De Shady, il y a un Ifrit à l'extérieur sur route principale. Vas-y, oui, je monte sur moi, s'il vous plaît. On a un mec qui arrive vers nous, on a un mec qui arrive vers nous, faut le caster là, ouais, t'as fait. On arrive Diablo. Go. Fais spot. TE est descendu de la tour solaire. Il y en a un autre, il y en a deux autres hein, sur la tour de point TE. C'est lui. La visu sur nous là, normalement. Ah, la tour de point TE est trop loin, non? Diablo, c'est derrière toi, c'est ça? On arrive. Ok, c'est bon, il est pas passé à côté de nous, il nous a pas repéré finalement. C'est pas de l'autre. Pax a battu, tour solaire. Gallo, y'a un véhicule qui arrive droit sur nous, un Ifrit. Arrête. Tu veux reprendre visu, il a pas bougé de sa tour. Vas-y, on est bon, les gens. Tu peux reprendre, go. Vas-y, tac, est-ce qu'il est toujours à son étage, lui? Ah, puis vous avez deux Ifrit qui arrivent sur vous, Franck. Il est en train de descendre le bâtiment là, il est descendu. Tu vas bouger Gallo? J'essaie de bouger les Ifrit. Je crois qu'il était en rappel sur le côté quand il est descendu, j'ai pas bien vu à cause de la distance. Le disque au général. Transmettez. On a pas tué. Et les civils qu'on a arrêtés avant, ils sont dans la BA ou pas? Nec, je les ai fait partir. T'as bien pris. Ouais, y'a un mec en cible, là, en pack en cible. On arrive Gallo. Ouais. Ah, c'est que je suis en train de voir pour mon micro, c'est bizarre qu'on m'entendait pas en fait.
D'accord. C'est reçu. Ah, tout en haut. Ah, l'équipe, c'était sûrement en train de tester là, il est reparti. Ouais, je peux se lever. Ah, c'est pas pour moi. Ah, de Jeff, il faut nous aller. S'il a pas déposé un homme en fait, c'est ça qui me perturbe. Pour tous, on y fait sur la piste. C'est pire de vous. Ah, pas que ça va tuer le l'homme. Bah là, joué. Il en reste un dans la tour. On reste concentré, les gars, on reste concentré. Combien de pètes là? On a des pètes là? Et on reste concentré, on y va. Non, c'est PA, ils sont au niveau de la presqu'île. Bon, est-ce qu'on a encore des mecs là? Castella, il est où Castella? Il est là-bas avec son ifrit, il arrive sur nous. Non, c'est bon, il a des rotules. Un tour de contrôle, il en reste un. C'est reçu. Je sais pas ce qu'il fait avec son ifrit lui depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il a un traceur GPS sur nous limite. Ouais. On nous a pas capté, on est d'accord hein. Pour l'instant, non. Ouais, normalement là c'est bon. Putain, si! Voilà, bon, j'avais pas activé la piste du micro, désolé. Hop! Sierra 2, on a un ifrit d'aucune. Gros boulet, ouais. Et vous pouvez même mettre des doigts si vous voulez, des effets que c'est autorisé pendant 5 minutes. Vous pouvez m'insulter de tous les noms. Ouais, j'ai tellement bidouillé. Oh putain. Les gars, ça va être trop mieux. Hein. Allez. Oh là. À tous, je tire à oh, j'ai deux ifrits sur moi, deux ifrits sur ma position. Bien sûr. On vous les ramène. Avance. Pourquoi? Aïe, casse-toi. À gauche. Faute principale. Hein. On vous les ramène. Hein. Parce que là j'ai l'impression d'être le lièvre. Hein. Hélico sur moi en plus. Aïe. C'est pas de mal avec qui s'attrape. A gauche, hein, route principale, presque côté BR. Ah je sais pas mais il faut passer là. Oh! Pas de stress. Attention, je suis là dans 10 secondes. Demenikov, le Pax, tour de contrôle est descendu. À toutes les unités BA, essayez d'aider Sierra 2, s'il vous plaît. Oui, aïe! Du sud dehors, sinon on se fait screen. Ouvrez-leur la porte. À tous, ils sont là. Allez, go, les gars! Aïe! Bellicop, c'est pour toi en haut. Je peux pas me monter, il y a des TV, je peux pas. Mais il va dans la BA?